commence au début de l'été par une soirée d'ouverture, chaque année réinventée, qui inaugure Tango Postal, un festival qui va durer 10 jours. Un premier week-end avec Tanguéando Toulouse pour un bal sur la place Saint-Georges. Tango en el barrio, danser en plein air, puis finir la soirée dans une salle en centre-ville pour un tango traditionnel ou, pourquoi pas, une milonga néo chez nos amis de Toulouse Néo Tango. Puis chaque jour de la semaine, commencer sa journée avec un café tango. Ensuite, se glisser dans une balade tango. Se laisser porter et surprendre dans Toulouse. Visiter, danser, écouter. Une balade qui vous amènera place Saint-Pierre. À l'ombre des platanes, un superbe plancher vous attend pour l'Eterna Milonga. Toujours danser. Les briques de Toulouse vous encerclent. La Garonne est là, tout près, surveillée par le Dôme de la Grave et le Pont Neuf. Envie de changement? De nouveauté? Non loin de là, évadez-vous dans un bal ambiance néo. Encore danser. Déjà jeudi? Ce soir, une pause concert entre deux milongas. Voir, écouter, découvrir, applaudir un orchestre venu de loin pour vous faire vibrer. Au menu, un regard actuel sur les répertoires classiques de tango. Et si pendant le festival, vous perfectionniez votre tango? Tout au long de la semaine, des stages sont proposés, traditionnels ou néo, et toujours danser, toujours partager, découvrir encore. Nous voici déjà au dernier week-end avec ces milonga concerts. Nous avons quitté les rives de la Garonne pour nous installer au bord du canal du Midi. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les deux planchers de la salle des fêtes de Ramonville. Danser encore et encore, se détendre et toujours découvrir et partager. Merci pour ces 10 jours passés avec nous. Il est l'heure de se dire au revoir, la despedida est là pour ça. 10 dernières heures avec toute l'équipe de Tango Postal pour mieux faire connaissance et se donner rendez-vous à la prochaine édition. Un dernier tango avant de prendre la route ?